Avec les chiens d'arrêt, à partir de 6 mois, on peut commencer à les sortir un petit peu, les mettre en présence de gibier. Je préfère que les gens emmènent leur chien à la chasse jusqu'à 8-10 mois et après on peut commencer à travailler dessus. Il ne prendra pas de défaut à la chasse, il va prendre de la passion surtout. Il va apprendre ce que c'est, entendre des coups de fusil, chasser, voir du gibier. Même s'il fait des bêtises, on arrivera toujours à freiner un chien plutôt que de le passionner. Pour faire un bon débourrage, un bon dressage, il faut entre 4 et 8 semaines pour la chasse pratique. Donc là, j'ai posé des oiseaux et j'ai pris le chien en longe pour essayer de le faire arrêter correctement. Voilà. Chut. Alors surtout, quand le chien est à l'arrêt, il faut vraiment pas l'exciter. On se rapproche de lui pour le caresser. Chut. On le calme. On évite que le chien avance trop vite sur l'oiseau. On ne le laisse pas avancer. Hein. Il faut vraiment faire attention quand on travaille des chiens d'arrêt, quand on les fait arrêter. Il ne faut pas être trop dur avec. On peut avoir des risques de blinkage. Le blinkage, c'est un chien qui sent l'émanation et qui fait demi-tour parce qu'il se dit qu'il va se faire engueuler après. C'est pour ça que de travailler en longe, c'est une bonne solution. Ça permet de bien maîtriser le chien quand il remonte les émanations, tout en restant calme avec le chien. On peut répéter cet exercice 2, 3 fois, 4 fois pendant la séance. On essaye de faire ça régulièrement aussi, 3-4 fois par semaine. Et ensuite, on enlève la longe et puis on continue à avancer comme ça. Saphir, Saphir! Le chien a arrêté le perdreau. J'ai raccroché le chien pour éviter qu'il bourre, pour éviter qu'il court derrière aussi. Et j'ai bien caressé le chien. J'ai bien caressé le chien pour qu'il arrête correctement et qu'il tienne l'arrêt, quoi, et qu'il attende qu'on arrive. Ça, c'est la première étape, en fait, hein, faire arrêter le chien et surtout bien le calmer, qu'il tienne bien l'arrêt. Les chiens, on les travaille sur du gibier d'élevage. Et une fois que le chien a bien compris qu'il faut arrêter avec les émanations du gibier, il va être capable d'arrêter du gibier sauvage. Sachant qu'il faut quand même le mettre sur du gibier sauvage, les premières fois, il ne va peut-être pas les arrêter parce qu'il ne connaît pas les odeurs. Mais une fois qu'il connaît les odeurs, il prend les émanations et il arrête pareil. En fait, le dressage sur du gibier d'élevage, on va dire que c'est la théorie. Après, ce qu'il faut, c'est la pratique, c'est-à-dire la chasse, les emmener à la chasse sur du gibier sauvage pour qu'ils puissent les arrêter. Donc là, on a un chien qui a 18 mois, qui a été travaillé en longe comme le chiot tout à l'heure. Et le résultat, c'est que quand il arrête quoi. Et surtout, il ne bouge pas. Même si l'oiseau n'est pas loin devant son nez, il n'a pas à bouger. Le dressage, c'est du temps. Ça marchera peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais après-demain, ça va fonctionner. Mais il faut du temps et laisser le chien s'exprimer au maximum. Et après, on canalise un petit peu tout ça, quoi. Et surtout, restez très, très calme. Allez. Si c'est votre premier chien, essayez d'aller prendre des cours déjà, voir des professionnels qui vont vous aider. Et puis après ça ne vous empêche pas de faire le deuxième ou le troisième chien, après, plus tard, vous-même, quoi. Mais n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels. Et voilà, une fois que le chien est complètement dressé, il arrête et il est parfaitement sage à l'envol.